Salut à tous et bienvenue sur Jack Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Kamel Tatouage. Après sa longue semaine de vacances, et sa femme était aussi en vacances chez sa famille de son côté, il la retrouve et lui a fait une magnifique surprise. Ils se sont rendus chez Edouard Nahum, le célèbre joaillier, et il précise à sa femme qu'il avait rendez-vous pour lui. Mais lors de ce rendez-vous, avec le fameux joaillier, il lui a prévu une magnifique surprise qui a dû lui coûter très cher. Mais le geste est vraiment beau et on ne peut que respecter et admirer ce qu'il lui a fait. Nous leur souhaitons plein de bonheur. Est-ce que vous aussi ça vous arrive de recevoir ce genre de surprise, ce genre de cadeau? Dites-nous en commentaire. Bonne vidéo à tous. Bon, regarde. On est venu chez Edouard Nahum. Ma petite chérie. Elle croit que je suis venu chercher un truc pour moi. Regarde la fille, tu vas voir. Faut faire kiffer la famille. Bon, on va dans le bureau. Qu'est-ce qu'il va nous sortir, Edouard? Tu vois, chérie, il m'a préparé un truc sympa. Non, bon, on va dans le... Petit paquet. Vous avez ramené votre bague ancienne? Je vais la changer, celle-là. Elle lui... Ouais. Celle-ci. Tu me la dire, celle-là. Ça, c'est pour vous. Voilà. Et ça, votre mari vous a mis un petit mot. J'espère que vous appréciez le mot qui est dans le verre. Ça, c'est pour vous. C'est votre mari qui a mis un petit mot. Regardez le petit mot qu'il vous a mis, oui. Bah, t'as vu le mot qu'il t'a mis? Elle a lu le fort comme ça. Je peux le lire, chérie. Ben. À la femme que j'aime et j'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Oh, c'est mignon ça. T'as vu, c'est lui qui a mis ça pour moi. J'ai été bien conseillé, hein, t'es un bon. Avec moi, votre ami. Hein. C'est un petit si peu. T'es ami avec moi, c'est bien. Ça va, ça fait 20 ans que je suis ami avec toi. Si t'es pas chez avec moi, c'est pas bon. C'est quoi? Oh, il paraît que c'est sympa ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On n'aime pas, t'aimes pas? Je sais pas. Hein? Hein? C'est toi qui l'as fait? Hein? Ça, bon, c'est ça... la taille émeraude. Et tu mérites, t'es tellement mignonne. C'est gentil, merci. Attends, je suis. Non, moi je suis. Là, je trouve la chose, je vais te mettre. C'est comme ça! Alors, tu vois? Celle-là, il n'a plus. Tu me l'as posé. C'est sympa, c'est ça. Hein. Et celle-là. J'aime bien, moi. C'est incroyable. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh. Elle est heureuse? Merci, ma vie. C'est gentil, Jérémy. C'est le moment où je me fais ouvrir le cerveau. Non, non, pour moi. Il va vous habituer. Non, ça commence. La pierre, on va mettre moi. En tout cas, la. Heureusement, ça a payé hier. Je pense que c'est bien. Parce que sinon, je ne relâcherai pas là. Wallah. Mais voilà, c'était du gras, alors on fait plaisir. Journée riche en émotions. Bon, on est rentré à la maison, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il est parti se faire plaisir aujourd'hui, voilà. Les choses sont bien passées avec le trade. Et donc, ça fait plaisir. Et se faire plaisir tout seul, moi, je sais pas faire. La petite émérite, elle est trop gentille. Parce que t'as vu, il y a ce que tu vois sur Snap. Moi, j'ai un caractère de cochon, je suis casse-couille, je suis maniaque, je suis relou. J'ai peut-être des bons côtés, mais j'ai des côtés casse-couilles comme tout le monde. Elle me supporte, elle est gentille, elle est adorable. Et elle me le rend bien. Donc si je peux la faire kiffer, voilà. Kiffer tout seul, c'est pas mon game. Dans la vie, il faut kiffer en... ma famille d'abord. Ta chérie après. C'est normal. Bon, voilà. Les trades avec Joe, c'est bien passé hier. Joe, t'as assuré, frérot.